Bonjour à... Non. Non, 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 pas lui. Tu arrêtes. Bonjour à tous et bienvenue sur le réseau Arts pour ce nouvel épisode du calendrier de l'Avent. Et aujourd'hui, je suis avec notre ami Jay. Comment ça va, Jay? Ça va très bien, et toi? Joli. Ouais, oui, t'as vu. Je sais pas qui est l'homme qui porte ce numéro 9 de la Hollande. Ok, Jay, alors aujourd'hui, tu nous parles d'un jeu vidéo, plus précisément d'une extension de jeu vidéo. Exactement. Alors, du coup, je l'ai pas en matériel puisque c'est encore possible d'acheter l'extension dont on va parler, Warlords of Draenor, l'extension de Warlords of Draenor. On fait confiance à JB, il nous mettra quelques images du jeu pour illustrer un petit peu les propos. Et du coup, je l'ai acheté en dématérialisé directement avec l'offre Blizzard qui est super, la boutique, ça marche hyper bien. Enfin, le paiement, c'est vraiment pas une contrainte. Enfin, il pousse vraiment à l'achat de ce côté-là. Ouais, bah tu m'étonnes, c'est pas fou non plus. Et du coup, avec cette extension, on a la possibilité, avant de parler du contenu vraiment, de passer un personnage directement au niveau 90, qui est le point de départ de cette extension, et niveau 90 à 100. Mais on peut choisir qu'un de nos persos en fait, c'est ça? Ouais, ils appellent ça un sésame, et en fait tu disposes d'un sésame à l'achat de l'extension, qui coûte 45€, donc un peu plus cher que les anciennes extensions. Est-ce que ce serait un peu l'équivalent du super bonbon dans Pokémon? Ouais, c'est un super super bonbon là. Mais là, parce que ça t'augmente tes stats du coup là. Oui, là ça t'augmente tes stats. Ok, d'accord. Tu te retrouves avec des stats de niveau 90, le personnage par contre un peu nu, et suivant une suite de quêtes initiatiques, on va dire, pour accélérer les 90 niveaux au niveau talent, compétences et tout ça, et équipement. Du coup, après ce petit truc, on arrive en Draenor 35 ans avant, alors du coup ça change la timeline, c'est un espèce de changement dans le passé, un retour dans le passé avec un changement qui fait que du coup on peut vivre cette expérience massivement basée sur les orques. Alors du coup j'ai testé cette extension, je suis pas encore niveau 100, 95, bon, je peux pas dire que j'ai été jusqu'au bout et pas fait peut-être assez de donjons et de raids, mais pour l'instant bon, il y a ce côté quête FedEx de haut qu'on retrouve pour un début d'extension encore. C'est beaucoup mieux scénarisé qu'avant. C'est très immersif niveau or parce qu'ils n'ont pas hésité à pas du tout mélanger, il y a vraiment beaucoup d'orques et du coup l'univers est vraiment basé là-dessus, c'est le côté qui est vraiment absolu dans cette extension-là, c'est qu'on fait l'événement jusqu'au bout, les scénarios à fin de zone par exemple pour ceux qui connaissent comment ça se passe de taper une zone et de la finir, c'est bien enchaîné. Après, ça reste une extension de WoW encore. Ça fait combien de temps là que tu l'as acheté? Bah le jour de la sortie, alors, c'était la semaine dernière, je peux pas dire bêtise, j'ai dit bien. Ouais, non, c'est un choix de faire ça. Bah tu peux dire la date, la semaine dernière, c'était début mi-novembre. Ouais, mi-novembre. Ouais, donc le jeu est sorti en mi-novembre. Mmh. Donc ouais, ça fait pas très longtemps, mais c'est... Donc en tout cas, c'est une extension que tu conseilles à tous ceux qui possèdent WoW. Bah, surtout de ceux qui ont déjà joué un peu l'expérience du jeu, voilà. Ceux qui ont déjà joué, qui hésitent à y revenir. Ça, relance un petit peu l'attrait pour avec le sésame niveau 90, ça relance l'attrait. Ok, qui est un bon jeu Blizzard dans tout ce qu'ils font bien en ce moment. Donc, okay. Pas hésiter à revenir, même si ça paraît un peu cher, tout ça, c'est vraiment... Et c'est possible de, par exemple, si vous avez envie de jouer et que vous n'avez personne pour jouer avec vous, c'est pas idiot non plus de faire une carte cadeau à un pote ou à plusieurs... de 45€ chez Blizzard, et comme ça le gars en ligne peut se payer l'extension et jouer avec ses potes qui lui vont faire ça, c'est une idée cadeau. Ouais, éventuellement jouer avec vous. Donc... En dématérialisé, mais c'est une idée cadeau. Ouais, ça marche quand même, le cadeau est là. Ça marche. Ok, très bien, donc n'hésitez pas à nous faire des retours sur cette extension, et si vous trouvez ça nul ou trop cher, vous pouvez pourrir dans les commentaires. En tout cas, nous on se retrouve demain pour un nouvel épisode du calendrier de l'Avent.